J'espère que vous allez bien, c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis super contente car nous allons faire une DIY 100% naturelle. Je vais vous montrer comment je fais ma crème hydratante à base de carottes qui est vraiment très facile à réaliser et c'est à la portée de tous. Sachez que la crème est vraiment très hydratante. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, voilà, alors c'est comme ça. Alors, voilà comment ça se présente. Si vous voyez, voilà. Vraiment très hydratant, comme vous voyez, et voilà. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais je voulais aussi vous dire que si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous mets mes liens juste ici et vous pouvez partager avec moi vos astuces. Vous pouvez aussi communiquer avec moi, ça me fera très plaisir de partager. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais des gros bisous, surtout restez tel que vous êtes. Surtout, n'enlevez pas la peau de la carotte car elle est bourrée d'antioxydants et de la caroténoïde qui aident votre corps à lutter contre les radiations libres responsables du vieillissement de la peau. Elle est vraiment riche en vitamines. Protège l'épidermine et favorise son éclat. L'huile de coco qui est vraiment idéale pour hydrater votre corps. De la glycérine pour la conserver plus longtemps, mais je vous conseille d'utiliser de la vitamine E. Et tout d'abord, râpez la carotte. Toujours au préalable, désinfectez vos ustensiles avant de faire votre crème. Dans un petit récipient, vous allez ajouter 3 cuillères à soupe d'huile de coco que vous avez fait fondre au bain-marie. Je vous déconseille d'utiliser le micro-ondes pour faire fondre votre huile car ça va tuer tous les nutriments de votre huile. Vous allez ajouter la carotte râpée à votre huile de coco. Puis vous allez la mélanger. Vous allez laisser au bain-marie pendant 30 minutes. Après 30 minutes, vous voyez comment cela se présente. Vous allez filtrer l'huile avec un passoir. Vous allez laisser au frais pendant 15 minutes, puis vous allez la monter en chantilly. Puis à ce stade, vous allez ajouter 10 ml de glycérine ou de la vitamine E. Puis vous pouvez ajouter l'huile d'essentiel de votre choix. Une fois que c'est prêt, vous pouvez la transférer dans votre pot. Vous la conserverez pendant 2 à 3 mois au frais.